Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te faire repérer par des professionnels dans le milieu du mannequinat sur Instagram. Comme tu le sais, tout le monde est sur Instagram, que ce soit les agences, les marques, les agents, les bookers, tout le monde. Tu peux facilement te faire repérer si tu fais les choses correctement. Et je vais t'expliquer tout ce que tu dois faire pour mettre toutes les chances de ton côté. Je vais te parler de ton compte, de ton activité, de ta bio, de tes photos. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu ne veux rien manquer. En 1, mets ton compte en public. Ça paraît super évident, mais si je le dis, c'est que beaucoup de personnes sont en privé. C'est très simple. Lorsque vous êtes en privé, comment on peut voir vos photos. Vous paraît évident comme je l'ai dit, mais énormément de filles ne le font pas. Ça m'arrive souvent de me faire contacter par des filles sur Instagram qui me demandent mon avis sur leur compte. Je clique et je vois que leur compte est privé. Ces filles-là ont sûrement oublié que leur compte était privé. Et moi, je leur dis, comme je suis cool, je suis gentil, ton compte est en privé. Et parfois, elles me disent, désolé, ok, je le remets. Ou alors, d'autres filles ne le remettent pas en public, mais elles m'envoient leurs photos directement en DM. Et bien sûr, je donne mon avis. Mais il est plus simple d'avoir un compte en public parce que moi, je suis cool, je suis gentil, je réponds, je prends le temps. Mais parfois, certaines personnes n'ont pas le temps. Vous envoyez un message, votre compte est en privé, ils vous calculent pas. Next. Donc faites-le, c'est super important. Justement, un jour, une fille me contacte sur Instagram. Elle me demande un avis sur son profil parce qu'elle a essayé de postuler en agence, mais ça n'a pas fonctionné. Elle avait que des retours négatifs. Et elle me demande un avis sur son profil, sur son potentiel, si elle en avait, si elle avait pas de potentiel. Elle voulait vraiment un avis de professionnel. Et moi, je lui dis, ok, pas de souci. J'essaye de regarder son compte Instagram et il est en privé. Et je vois qu'il y a 4 ou 5 publications tout en haut. Donc je lui fais la remarque. Tu veux que je regarde ton compte, mais ton compte est fermé. En plus, il y a que 4 ou 5 publications. Et sur sa photo de profil, on ne la reconnaissait pas. Elle me dit oui, c'est vrai. Et puis elle me sort, je ne sais plus quelle excuse. Je dis ok, donc ouvre-le. Elle ouvre son compte et il n'y a aucune photo d'elle. Donc je lui ai dit, mais comment tu veux que je te donne un avis sur ton profil s'il n'y a aucune photo de toi? Elle me dit oui, c'est vrai, nanana. Elle me sort encore une excuse. Et là, elle m'envoie des photos d'elle. Donc moi, j'ai pris le temps de lui parler, de lui répondre, de lui expliquer. Mais beaucoup, beaucoup ne le feront pas. Donc faites-le, mettez votre compte en public. C'est très important. Si tu penses que les agences, en allant sur ton compte, ils vont dire ah, tiens, je vais m'abonner à cette fille-là, peut-être qu'elle correspond à mon agence. Détrompe-toi, ça n'arrivera jamais. Si ton compte est fermé, on passe à autre chose. On n'a pas le temps de s'abonner pour regarder, pour dire ah ok, elle est dans le milieu du mannequinat, elle fait ci, elle fait ça. Non, tout le monde peut avoir un compte fermé. Donc si vous avez un compte fermé, personne ne pourra s'intéresser à vous. Il faut que tu sois également actif sur ton compte Instagram. Abonne-toi à des comptes bien sûr qui ont un rapport avec le milieu du mannequinat. Ça n'a aucun intérêt si tu t'abonnes à des électriciens, des plombiers, je ne sais quoi. Abonne-toi à des gens qui sont dans le milieu du mannequinat, photographe, maquilleuse, styliste, agence, agent, booker, peu importe, France, étranger, peu importe, mais abonne-toi à des comptes. Et peut-être que ces comptes, certaines de ces personnes en tout cas, vont également s'abonner à toi. J'ai oublié de parler aussi d'autres mannequins, hommes, femmes. Abonne-toi. Faut vraiment que ton univers d'Insta ce soit dans le milieu du mannequinat. Sois actif également en story. Souvent les filles me disent oui, mais je ne sais pas quoi mettre, je fais rien de spécial. Tout le monde fait rien de spécial. Mais poste quand même quand tu as des backstage, de shooting, tu fais des photos. Poste, sois actif, c'est important. Et aussi, essaye de parler si tu peux. Ça peut être compliqué, c'est vrai, mais commence déjà à parler sans te montrer. Ça, c'est la première chose. Au fur et à mesure, tu seras à l'aise et là, tu pourras parler en montrant ton visage. En feed également, faut qu'on voit que tu es dans le milieu du mannequinat. Donc, il faut que tu poses des photos. C'est super important. S'il y a que des photos de paysages, d'animaux, je ne sais quoi, comment on peut deviner que tu es dans le milieu du mannequinat? Personne ne pourra te recruter, personne ne voudra travailler avec toi. Donc, faut qu'on voit dans ton feed au bout de 3, 4, 5 secondes que tu es dans le milieu du mannequinat. Je parlais aussi de ta bio. Parfois, des filles me contactent. Dans la bio, il y a écrit abonne-toi, je suis la plus belle. Je vous laisse imaginer si des personnes vont s'abonner à ce genre de compte-là. Ça fait très gamin et je pense pas qu'une marque ou une agence va vouloir travailler avec une fille qui met quelque chose comme ça sur son compte Instagram dans sa bio. Mettre une bio professionnelle, quelque chose de correct, pas des choses genre je suis la femme d'Mbappé ou j'ai vu plein de choses en bio. Donc je vous le dis, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Ça fait pas à pro du tout. Moi, une fille qui me contacte et qui a écrit dans sa bio femme de Cristiano Ronaldo, j'ai pas lui parler. Ça fait enfantin, gamin, je vais pas lui parler. Voilà, parce que je sais que elle aura pas la mentalité pour devenir mannequin. Si tu es grande de taille, mets-le sur ta bio, c'est important. Tu fais 1m80, t'es une femme, mets-le dans ta bio parce que n'a pas beaucoup, c'est rare. Donc mets-le, c'est important de montrer parce qu'on voit pas forcément la taille des filles sur le compte Instagram. Donc si t'es grande, mets-le. Alors j'ai parlé des photos, je vais y revenir. Donc poste également des photos professionnelles, des photos que tu fais avec des photographes professionnels, mais des vrais professionnels, pas juste des photographes qui achètent un appareil à 3000 euros à Darty et qui mettent dans leur bio je suis un photographe professionnel. Non, des vrais pros qui sont dans le milieu et qui pourront vraiment vous apporter de la valeur. Mettez ce genre de photos là. Après, vous pouvez mettre aussi d'autres types de photos, mais il faut qu'elles soient pro. Des photos de ton chien, paysage, du plat que tu manges dans le restaurant, de ton sac Jacquemus, tout ça, on s'en fout. Les agences ne sont pas intéressées par tout ça. Donc, mets des photos qui te mettent en valeur, des photos professionnelles. Dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment te faire contacter par les marques, les agences, les bookers, les agents sur Instagram. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant si tu veux augmenter tes chances de signer en agence. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo qui explique étape par étape comment signer en agence. Tu pourras la voir si tu cliques sur le lien qui s'affiche quelque part en haut. Like et abonne-toi si ma vidéo t'a plu et je te dis à tout de suite.